Wesh les reilles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur MW2. Et dans cette vidéo, on va parler de la Iso Hemlock en combinaison d'un accessoire de la catégorie des munitions, les 300 Blackout. Pourquoi parler de cet accessoire particulièrement? Parce que celui-ci est unique dans le jeu, il n'est disponible que pour la Iso Hemlock et ça va avoir pas mal d'effets intéressants. Je précise que j'ai déjà parlé de la Iso Hemlock dans une précédente vidéo et ces deux vidéos sont complémentaires. Si à la fin de cette vidéo vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez checker l'autre vidéo et inversement. Et cette vidéo va plus être en détail par rapport aux munitions 300 Blackout et la vidéo précédente c'est plus concernant la Iso Hemlock de manière générale. Dans cette vidéo on va voir la meilleure classe de la Iso Hemlock. On verra également quels sont les effets des munitions 300 Blackout. Et également, on va voir est-ce que la Iso Hemlock est si puissante que ça et voir quelles sont les limites de cette arme. Je vais donc vous présenter la meilleure classe. Alors je précise que dans la vidéo précédente, j'avais déjà proposé une meilleure classe, mais c'est sans l'accessoire 300 Blackout. Au niveau de la classe, on équipe tout d'abord une lunette avec le Slimline Pro, avec un maximum de visée accélérée. Pour la crosse, c'est le R comme S4 avec un maximum de mobilité. Pour la poignée arrière, c'est la poignée X10 avec un maximum de mobilité. Et on va équiper un chargeur de 45 munitions ainsi que les munitions 300 Blackout. On peut donc se demander quels sont les effets des munitions 300 Blackout. Dans les menus du jeu, on peut s'apercevoir qu'on va gagner en dégâts pour perdre en cadence de tir. On va commencer concernant la baisse de cadence de tir puisque ça va être plus facile à expliquer. De base, on a 600 balles par minute. Avec l'accessoire, on passe à 550 balles par minute. C'est donc une baisse de cadence de tir qui est très légère. Ça va se ressentir à peine dans son gameplay. Et ensuite, cet accessoire va améliorer les dégâts, notamment les dégâts dans la tête ainsi que les dégâts dans les bras et les jambes. Dans la tête, normalement, on tue en 3 balles. Et là, avec la hausse des dégâts, on va pouvoir tuer en 2 balles. Et dans les jambes, normalement, on tue en 4 balles. Et avec cet accessoire, on va pouvoir tuer en 3 balles. De ce fait, les dégâts vont être énormément améliorés. Ça va permettre d'avoir la possibilité de toucher son adversaire, ce qui n'était pas possible avant. Et ça va garantir également de tuer son adversaire en minimum 3 balles, alors qu'avant, on pouvait tuer son adversaire en 4 balles. Cette hausse de dégâts est vraiment très importante. Et pour être même un peu plus précis, on peut tuer en 2 balles si on fait une balle dans la tête et une balle dans le torse. Par contre, 2 balles dans le torse, ce n'est pas suffisant pour tuer son adversaire. Et une balle dans la tête et une balle dans le ventre, pareil, ce n'est pas suffisant pour tuer son adversaire. Évidemment, toutes ces portées-là, tous ces dégâts-là, c'est sur une portée de 25 mètres. En combinaison de la hausse de dégâts et de la baisse de cadence de tir, on va avoir un temps pour tuer, donc un TTK de 109 millisecondes si on tue en 2 balles, ou alors de 218 millisecondes si on tue en 3 balles. Les munitions 300 Blackout vont avoir des effets indirects sur la Iso Hemlock. Tout d'abord en termes de portée des dégâts, puisque la Iso Hemlock a une hausse de dégâts, les dégâts varient en fonction de la zone dans laquelle on vise son adversaire, mais également au niveau des différentes plages de portée. De ce fait, améliorer les dégâts, ça va permettre d'améliorer sur toutes ces zones et sur toutes ces portées. De ce fait, on peut considérer que la portée va être améliorée. Également, le fait d'avoir une baisse au niveau de la cadence de tir, ça va avoir pour effet positif d'améliorer la précision. Évidemment, cette hausse va être très minime mais c'est quand même important de le souligner. Et la combinaison de la hausse de portée ainsi que de la hausse de la précision, ça va permettre à la Iso Hemlock de faire des tirs de loin beaucoup plus facilement. Et ça, c'est une très bonne chose, notamment pour déchirer les petites campuses et avoir la possibilité de les challenge et de les détruire. Par ailleurs, on a besoin de moins de munitions pour tuer son adversaire. Par conséquent, on va pouvoir rusher plus facilement puisqu'on va pouvoir enchaîner un maximum d'adversaires sans avoir à recharger. On peut donc se demander si la Iso Hemlock avec cet accessoire est complètement surpuissante, voire complètement cheatée. Et pour moi la réponse c'est oui. Non seulement l'arme va tuer très rapidement, mais également on va pouvoir jouer de loin très facilement, on va pouvoir rusher ses adversaires également très facilement, on va pouvoir tuer ses adversaires rapidement et c'est vraiment très intéressant. De ce fait, peu importe le style de jeu et peu importe ton niveau, cette arme va faire vraiment un carnage. Si tu es un joueur qui aime bien camper, cette arme va être très intéressante. Si tu es un joueur qui aime bien rusher, tu vas pouvoir enchaîner plein d'adversaires et ça c'est vraiment très bon. Si tu as un très bon shoot, et ben cette arme va être très intéressante, tu vas pouvoir caler des têtes et tuer tes adversaires en deux balles. Si t'as pas un très bon shoot, et ben c'est pas grave, même si tu vises dans les pieds ton adversaire, tu vas le tuer assez rapidement. Et concrètement, voilà, cette arme va faire le taf pour tous les joueurs. Néanmoins, l'arme a quelques petits défauts, mais clairement les défauts sont vraiment très minimes et ils sont surtout liés à l'accessoire. La perte de cadence de tir est vraiment très légère, ça se ressent quasiment pas. On a en quelque sorte une perte de mobilité puisque ça prend la place d'un accessoire, mais pareil ça ne se ressent pas, qu'on a l'accessoire ou pas, et bien en termes de déplacement, de temps pour viser, on va pas voir de différence. De ce fait, cet accessoire n'a vraiment que des avantages. On peut donc se demander quelles sont les limites de cette classe. Eh bien le principal souci c'est que la Iso Hemlock est sur MW2, donc on a évidemment tous les problèmes de MW2, les campeurs, les comportements en cancer, le spam de flash, les mecs dans des coins, etc. etc. Ça rend l'arme clairement moins efficace quand on est sur MW2. Et pour vous donner un petit ordre de comparaison, la Iso Hemlock c'est un de mes meilleurs ratios, l'arbalète c'est un de mes pires ratios, oui je compare la Iso Hemlock avec l'arbalète, et concrètement j'ai réussi à faire une meilleure série avec l'arbalète plutôt que la Iso Hemlock, c'est ce qui est assez paradoxal, mais c'est surtout lié, on va dire en quelque sorte, à la chance, puisque quand j'ai joué avec la Iso Hemlock j'ai croisé énormément de campouses. Faire une sanguinaire c'était limite extrêmement compliqué tellement que ça campait dans tous les sens, c'était complètement injouable et si ça campait pas ça sortait le KFB et c'était complètement cancer. Donc bah, concrètement on a une arme qui est surcheatée mais on est sur MW2 donc vous inquiétez pas pour vos adversaires, ils vont camper bien gentiment et quand même vous détruire dans votre série, mais voilà par rapport à la limite de cette arme. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, je vous invite à mettre votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire et à vous abonner. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos et en attendant je vous dis bisous bisous.